Good morning, Aleiden, et je suis aujourd'hui les Nishmat Abraham Mordechai, Ben Israël, Ben Fanny, David, Ben Fortuna, Ben Ritna, et Dvorah, Batester, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étions à Sratk, de votre péricute, Gimel, Mishnah, Dalet, Atoen, Atravero, Kadeshemen, Vehoda, Vakan, Kanim, Admon, Omer, Hoin, Vehoda, Bemixat, Ataana, Ishava, Vachachamim, Omrim, Enzo, Odana, Odaam, Mimin, Ataana, Amar, Rabban, Gamliel, Roe, Ani, et Divrei, Admon. On a maintenant la deuxième machloket entre Admon et Chachamim, que Admon il a fait 7 décrets à Yerushalayim, que certains ont été retenus, certains n'ont pas été retenus, mais 7 halachot qu'il a décrété ou qu'il a tranché, qu'il a établi que ça allait être comme ça qu'il fallait retenir la halacha. La deuxième, donc, c'est maintenant Atoenet Ravero Kadeshemen. Celui qui réclame à son ami les, comment dire, les fûts de vin, les barils de vin, les tonneaux de vin, tu me dois 5, d'huile, tu me dois 5 tonneaux d'huile. Et l'autre, il dit quoi? Vehoda bakankanim, c'est vrai que je te dois 5 tonneaux, mais pas d'huile. Sur ça, on a une machloket. Admon Omer, Admon nous dit, oil voda bemiksa tataana ishava. Puisque il reconnaît une part de sa réclamation, alors il devra jurer la joie de la Torah. Chachamim omrim, tandis que Chachamim retorque, non. Enzo odaa miminataana, il ne reconnaît pas une de l'espèce qui lui réclame. Et sur ça vient Rabban Gamliel, et nous dit de nouveau, « Roé, Ani, et divré Admon, je vois que les propos d'Admon sont justes. » On explique de quoi ça parle exactement, c'est pas compliqué. Ça touche à Masechet Shvuot, ça remonte à bien longtemps d'ailleurs. Masechet Shvuot, il y a la joie de la Torah, lorsque je vous réclame quelque chose, vous me devez 100 shekels. Si vous me dites non, je ne te dois rien, j'ai rien contre vous, je dois juste apporter des preuves, et si j'ai pas de preuves à apporter, ben vous sortez, vous me laissez bredouille, vous n'avez même pas de devoir de jurer selon la Torah. Très bien, on saurait qu'il faut jurer, mais pas selon la Torah. Selon la Torah, on juge dans une seule situation, si on est modé, bémixa, tatana. Je réclame 100 et vous me dites non, je te dois que 50. Là, la Torah, elle est venue, elle me dit, ah, puisqu'il reconnaît un petit peu, alors là, on va soupçonner qu'en réalité, il me doit beaucoup plus. Seulement, il n'ose pas tout nier parce que si je l'ai dépanné de l'argent, il a honte de moi, il n'osera pas complètement nier. Alors, il minimise, il dit, non, je te dois que 50. Et donc, la Torah, elle a dit, dans cette situation-là où les modébé mixat atahana, il reconnaît une partie de la réclamation, alors il devra jurer qu'il ne doit pas plus. D'accord? La Torah qui instaure comme ça. Maintenant, ça marche aussi lorsque je réclame deux choses. Je t'ai prêté mon livre et un stylo. Et toi, tu me dis, non, tu ne m'as prêté qu'un stylo. Alors là, de nouveau, puisque je réclame deux choses et vous reconnaissez une des deux choses, alors vous êtes modé bémixat atahana, vous devez jurer aussi selon la Torah. Il y a la joie de la Torah, joie ta modé bémixat atahana, ça s'appelle. Et maintenant, nouvelle situation. Je dis, hey, je t'ai prêté 3 stylos. Et toi, lui et d'autres, il me rétorque, pas du tout, tu m'as prêté juste des chaussettes. Je réclame une chose et l'autre, il reconnaît autre chose. Alors là, vous n'êtes pas en train de reconnaître une partie de ma réclamation. Vous n'avez pas de devoir de jurer selon la Torah. D'accord? Il n'y a pas de joie de la Torah. Il y aura peut-être une joie à Midera Banan, mais qui est beaucoup plus facile. On la fait moins, c'est moins stressant, c'est moins solennel. Quand c'est une joie de la Torah, on lui fait jurer en prenant ses fers Torah dans la main. C'est beaucoup plus effrayant. Et pas lorsque c'est une joie Tesset Midera Banan. D'accord? Maintenant. La question, elle est de savoir maintenant, quand je réclame, imaginez, c'est un peu dur de traduire en français parce que ça prend une autre connotation, mais imaginez que je réclame, hey, tu me dois 5 barils de vin, ou 5 barils d'huile. C'est-à-dire quoi, 5 barils d'huile? Qui me doit une quantité de 5 fois le baril d'huile, ou il me doit 5 barils, ça implique le baril et l'huile qu'il y a dedans. Et c'est la marquette qu'on a entre Admon et Chachamim. Selon Admon, il y a ici une Oda Mixa Tatana. Lorsque je réclame 5 barils d'huile, ça signifie non seulement qu'il me doit 5 barils, 5 quantités d'huile de l'équivalent de 1 baril, et avec en plus de ça, le baril lui-même. Donc je te réclame en fait deux choses, je te réclame l'huile et les récipients. Et lui me dit non, je te dois que les récipients. Selon Admon, il y a ici une Oda, Bemixat, Atahana, il reconnaît une partie de la réclamation. Donc il devra jurer une joie de la Torah. Tandis que d'après Chachamim, non pas du tout. Lorsque tu réclames 5 barils, ton intention n'est pas de réclamer des barils, le récipient lui-même, elle a juste de réclamer de la quantité.
Et dans ce cas-là, ça fait que je te réclame de l'huile et tu me reconnais des bouteilles. Il n'y a pas ici une oda, ben misatata, non? Mais sur ça, Rabban Gamliel nous dit non. Il pense comme Admon, et la halakha s'est faisait à l'établir comme lui. Comme Admon aussi, que ça s'appelle une oda, ben misatata. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachat.